Thank you Bonjour tout le monde, thumbs up. Bienvenue à DWP Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner de la perspective. Alors prendre, faire une profondeur d'une page deux dimensionnelle. Faire en sorte qu'une ligne d'horizon avec deux points, par exemple, fait une profondeur. Où il n'y en a pas en réalité avec deux points. Euh, donc un point à gauche, un point à droite, et un objet dans le milieu. Ou sinon même avec trois points. Euh, où on a un point en haut, sur les côtés et tout en bas. On verra. Mais pour commencer, il faut notre crayon. Alors commençons avec une ligne d'horizon. La ligne d'horizon est l'endroit où on divise le ciel et la terre. Alors voici la ligne d'horizon. Et on fait un seul point en plein centre. C'est ce qu'on appelle le point perspective. Ici, on a la ligne d'horizon. Et ici, un seul point de fuite. Donc c'est la pointe de fuite. Alors le point, un seul point. C'est ceci. Et puis voilà, point numéro un. Et tout, toutes les lignes proviennent de ce point de fuite. Alors on peut imaginer dessiner une roue de bicyclette. Et puis chacun des rayons de la roue là, sort comme ceci du milieu. Et tous nos objets, donc, devront aller vers ce point de fuite. Comme par exemple, si nous étions pour dessiner une rue dans le milieu, il faudrait que ça suive ces lignes, par exemple. Ou dans le ciel, ou un pont, peu importe. Ici. On peut imaginer dessiner une rue ou une voie ferrée. On dessine des lignes comme ceci. Donc, ça, c'est l'épaisseur de ma rue. Peut-être qu'il y a aussi une bordure euh, de béton qu'on peut faire l'épaisseur. Peut-être que j'ai une clôture qui descend tout le long. Alors, voici la ligne d'horizon de ma clôture. Comme ça, c'est la, la, la hauteur de ma clôture. Et maintenant, lorsque je dessine la clôture vers moi, elle s'épaissit, elle grandit. Et lorsqu'elle s'en va de plus en plus loin, elle rétrécit, donc elle devient de plus en plus petite. Ben c'est normal, c'est ce qu'on appelle la perspective, c'est donner une impression de profondeur. Ben, là il n'y en a pas, hein? on parle d'une page ici euh, bidimensionnelle, il n'y a pas de profondeur là-dessus, mais on doit donner l'illusion de profondeur. Voici l'épaisseur de ma clôture, le haut, et chaque ligne horizontale doit demeurer horizontale. Il n'y a pas d'autre point de fuite. Alors tout ce qui est vertical et horizontal doit le demeurer. Par contre, tous les éléments qui sont. D'une face, une façade comme le côté de ma clôture doit aller vers la pointe, le point de fuite. Alors imaginons, là, je fais mon épaisseur ici. Même chose pour l'épaisseur de la clôture. Imaginons que je dessine un camion en plein milieu de la rue. Donc voici la face arrière de mon camion qui doit euh, lui aussi, ou elle aussi, suivre les lignes de perspective. Ça, c'est le devant de la cabine, par exemple. Pas de la cabine, mais du, du, du cube. On a ici la profondeur. La ligne de côté là, doit suivre la cabine où, où se tient le conducteur. L'épaisseur ici doit aussi suivre la ligne d'horizon et euh, plutôt les lignes de perspective qui vont vers la pointe, le point de fuite. Puis on a ici l'épaisseur du véhicule. On va effacer euh, les lignes qu'on n'a plus besoin. Donc on a fait deux cubes collés ensemble qui donnent notre autobus ou notre camion. <coughs> Désolé, je suis un peu malade aujourd'hui. <coughs> Euh, je ne ferai pas de dessin euh, super poussé aujourd'hui, c'est juste pour vous donner euh, les notions de base au niveau de la perspective de 1, 2 et 3 points de fuite. Alors, il y en a qui diront euh, Pas mal carré ton véhicule ouais, mais bon, le but, c'est de comprendre les éléments de base. Et en passant, si vous voulez me suivre autrement, vous pouvez me suivre sur Instagram. Si vous avez un compte Instagram, cherchez pour Drawing with Paolo », tout en un mot. Et vous verrez des éléments de ma vie là, générale là-dessus. Euh, Ma vie de tous les jours si on veut, plus les dessins que je fais, qui sont euh, aussi euh, en peinture euh, numérique, et ou en dessin ici présenté sur euh, DWP. Alors voici le grillage de ce véhicule. Et ensuite, je vous montrerai là, comment on peut euh, dessiner des immeubles. Donc par exemple, c'est une ville, donc c'est l'autoroute sur le, le bord d'une ville. Donc peut-être qu'on a des immeubles du côté gauche de notre illustration. Donc, euh, toutes les lignes là, doivent aller vers le point de fuite. C'est la même chose pour les immeubles qu'on peut faire ici ou là. Alors, si on vient dessiner de ce côté-ci, euh, l'épaisseur ou la hauteur de cet immeuble-là doit aller vers les points de fuite. Mais l'épaisseur elle-même <coughs> doit demeurer verticale. Même chose pour le côté. Le côté doit suivre la ligne d'horizon. Donc, elle doit demeurer horizontale. On n'utilise qu'un seul, seul point. Donc, il faut que tout aille vers ce point-là, sauf les côtés. Donc on va y passer ces lignes. Hein? Je sais pas si ça a du bon sens ce que je dis. Peut-être la combinaison de ce que je dis. <laughs> Est-ce que vous voyez? Euh, va être plus facile de la comprendre. Donc par exemple la ligne horizontale du haut du, de l'immeuble doit suivre la ligne de mon, de mon horizon. Et la, la même chose pour le bas. Tout ce qui est donc de, de face à nous doit être rectangulaire. De haut en bas, de droite à gauche, tout horizontal et vertical. Mais tout ce qui est de côté. Comme la face de mon immeuble ici doit aller vers le point, comme ça. Voyez-vous, ça, c'est la façade de mon immeuble, mais qui ne fait pas face à moi, qui s'en va de moi, qui s'éloigne de moi. Alors, ça, c'est mon épaisseur d'immeuble. <coughs> J'efface les lignes que je n'ai plus besoin. Alors, les, les quelques autres dessins que nous ferons par la suite euh, auront cette notion de perspective. On va prendre un pas, là vers la perspective, donc un, une autre dimension de l'illustration. Donner une, une, une dimension d'illustration un petit peu plus réaliste à nos dessins, plutôt que des personnages puis des, des paysages un peu sans, sans perspective. Là. Ou une, pers une profondeur avec un point, il faut le comprendre pour être capable de le dessiner. Donc voici une maison standard, là. Euh, on va faire la façade qui, elle, doit suivre les lignes de, de perspective. Et le toit, par contre, étant donné que je vais faire tout simplement qu'un triangle, lui, il n'a pas besoin de suivre... Euh, Quoi que ce soit, mais le, ce qui fait face à moi doit être très droit. Et voici un triangle pour le toit. Le toit, lui aussi, est très droit. Mais la porte, elle, fait partie de la façade. Donc, elle doit suivre la ligne de perspective comme ceci. Alors, voilà. En quelque temps, là, on voit là, une perspective à un point. On peut aller voir maintenant ce que c'est perspective à deux points de fuite. Et vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Alors... Pour perspective à deux points ou deux points de fuite, on a notre ligne d'horizon. Il faut faire notre objet ici. C'est le coin de notre objet que l'on verra. Donc, on va dessiner un cube. Et puis, ça, c'est le coin de mon cube. Mais il faut mettre deux points parce que c'est deux points de fuite. Alors, les façades, tous les façades ou toutes les faces de mon cube devraient aller vers un point de fuite. Alors, comme ceci. Hop. Et puis, euh, on a bien sûr notre ligne d'horizon qui continue un petit peu plus loin. Puis, ça c'est ma ligne d'horizon comme tantôt. Ça, c'est mon point numéro 1. Oh, briser ma mine. Point numéro 1, comme ça. Point numéro 2 ici. Et donc, tout, toutes mes lignes doivent aller se lier à ces points-là. Alors voici l'épaisseur de mon cube. De chaque côté. Le, le haut, le bas, donc c'est la hauteur de mon cube. On peut faire ici l'épaisseur, donc on retrace nos lignes. Puis après, on peut effacer nos, notre ligne d'horizon, à moins que notre cube est transparent, translucide. On efface les lignes d'horizon et un peu les lignes de perspective aussi. Il faut toujours se rappeler que les lignes de perspective qui vont au point de fuite doivent être super légères. Hein? On ne doit pas appuyer très fort sur le crayon pour que ce soit facile à, à effacer. On ne devrait pas voir ces lignes-là par la suite. Mais alors, la lumière vient ici du côté droit, on va ombrager le côté gauche jusqu'en bas. Si vous êtes gaucher, ben, je recommande que vous coloriez le, la face droite de ce cube, comme ça vous ne barbouillerez pas votre dessin. Supposons qu'on met une fenêtre dans ce cube. Alors, deux lignes verticales représentent la largeur de cette fenêtre, comme les, le, la largeur de notre cube. Mais le haut et le bas doivent aller aux pointe. Alors, cette ligne-ci va au point de droite. Cette ligne-là aussi, point de droite. Si on avait une fenêtre du côté gauche, il faudrait que les, les lignes aillent au point du côté gauche. Peut-être que j'ai l'épaisseur aussi, pour, pour qu'on puisse voir le plafond de ce cube-là, ben lui, il va aller vers la ligne gauche. Parce qu'il faut voir l'épaisseur, voyez-vous, cette ligne-là, ben, il faut que ça aille vers le côté gauche. Et ça, ça semble compliqué, là, mais ça vient avec la pratique. Ça, c'est la même, la même couleur de chaque côté. Je vais effacer mes lignes de perspective. J'en ai plus besoin. Voilà. Alright, je vais en faire un autre. Donc, on commence toujours avec le coin de notre objet. Et puis, ce coin-là doit aller à notre ligne droite. Parce qu'on veut voir la face de droite, ici, comme ça. Et la face gauche va au point de fuite de gauche. On va faire peut-être comme un, une lettre L. Moi, j'habite dans la ville de Laval. Mes lignes ne sont pas très droites. Hein? Si vous préférez, vous pouvez utiliser une règle. Moi, je vais comme ça à main levée. Euh... <laughs> C'est pas ce qui est plus sexy, mais bon, vous pouvez utiliser une règle à la maison si vous voulez. Et puis donc, euh, j'habite dans la ville de Laval, dans la province de Québec, au Canada. Et puis, c'est le L pour la ville de Laval. <laughs> Imaginons. Donc, voilà ici l'épaisseur de ma lettre L, avec la façade droite, qui elle va vers le point de fuite de droite. Puis là, je retrace mes lignes comme ça, et j'efface les lignes que je n'ai plus besoin. Encore une fois, si votre lettre L est translucide, on n'a pas besoin d'effacer le cube qui est à l'arrière. Mais dans le cas de celui-ci il n'est pas translucide, il est opaque. Je fasse tout ça et je peux colorier ensuite la face de gauche comme j'ai fait pour mon cube à l'arrière. Il y a aussi on peut voir le haut du L. Donc pour voir le haut du L, je vais tracer une ligne comme ça. Et là, je vois le haut du Alors dépendamment d'où est placé le cube dans notre champ de vision, on peut soit voir le dessus ou le dessous. Si le cube flotte dans les airs, à cause des règles de la perspective, on devrait être capable de voir en dessous du cube. Mais si le, le cube est vers le bas, ben on peut voir le dessus du cube. Hein, je vais colorier encore le côté gauche. On imagine que la lumière vient du côté droit. Et supposons que je dessine un cube ici, mais je dessine de face. Ben, ça ne fonctionnera pas. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, maintenant, je ne commence pas avec un coin, je commence avec la façade de mon cube. On ne voit pas le bas, mais ce n'est pas grave. Et là, je trace les lignes vers mes points de fuite pour chaque coin. Je vais en faire comme un, un objet tridimensionnel, donc. Je vais faire chaque face. Mais là, j'ai des. Ça ne marche plus, regarde. Regardez bien ce que ça donne. Je fais chaque coin qui vont vers les points de fuite comme ça. Mais là, j'ai une surface qui a plus que trois que, que dimensions. Ça n'a pas de bon sens. Même si je faisais une ligne au milieu ici, cette ligne-là, j'irais vers où? Ça n'a pas de bon sens. De ce côté-là ou de l'autre côté. Mais voyez oui, ce qu'il faut faire vraiment, là, c'est commencer avec un coin et tracer les lignes de ce coin-là. Et puis, je vais enlever les lignes qui ne sont pas bonnes, hein, vous allez mieux comprendre. Donc, j'enlève ces lignes qui, qui faisaient en sorte qu'on qu ait une face qui était directement face à nous. Pour que de la perspective à deux points fonctionne, il faut toujours commencer avec un coin. En tout cas, c'est ma perception des choses. Je pense que j'ai raison là-dessus pour que le, dess la, le dessin fonctionne. <coughs> Alors, voilà mon cube maintenant qui suit vraiment les lignes de perspective et qui a un petit peu plus de bon sens. Et là, bien sûr, je vais voir le dessus de ce cube parce qu'il est plus bas dans mon illustration. Comme je disais plus tôt. Et puis, je vais faire son épaisseur comme ça. Et là, on voit le toit. Donc, je vais colorier euh, le côté gauche encore une fois. Et ça, c'est la perspective à deux points. On pourrait mettre un véhicule là-dedans. Il faudrait que le véhicule suive. Euh, puis, il y en a qui commencent déjà à dire Je vous entends, là, Paolo, c'est compliqué, deux points. Ouais, mais là, on change de page. On va faire trois points. Trois points de fuite. Alors. Perspective à trois points. La ligne d'horizon, encore une fois, comme ceci. Je vais la placer haute un peu, soit ci On peut avoir un point ici, à gauche. Un point à droite. Un point soit en haut. Mais je pense que moi, je vais le mettre en bas ici, parce que je veux voir de haut mes objets. Alors, voilà. Et là, ça c'est mon point 1. Mon premier point de fuite, ici. Mon deuxième point, là. Et oui, mon troisième point, ici. Et je vais commencer encore une fois avec le coin de mon objet. Donc mon cube. Là, il y a la ligne d'horizon, il ne faut pas oublier ce qui est horizontal ici. Et puis, euh, la ligne verticale que je vais faire, celle-ci détermine. Il faut que faut qu elle aille se pointer à ma, mon point numéro 3, pour qu'on puisse voir chaque façade. Donc, la façade droite ça en va vers le point numéro 2. La façade gauche, ça en va vers le point numéro 1. Et même les côtés maintenant, pour faire l'épaisseur de mon cube, doivent provenir de mon point numéro 3. Comme ceci. Et là, voyez-vous le cube? Donc là, je vais faire les lignes d'épaisseur comme ça. Puis là, la façon dont je l'ai dessiné, on devrait être capable de voir son toit. Alors, pour voir le toit de notre, notre cube, il faut dessiner des lignes de, de perspective comme ça. Et une autre de ce côté-ci. Hop! Et là, maintenant, on voit le dessus de mon cube. Je trace les lignes un peu à l'œil. Comme je disais, c'est plus facile avec une règle. Et on trace, et on efface, et on gomme. Et on peut colorier le côté gauche encore une fois. Imaginons que la lumière vient du haut à droite. Et puis on va colorier tout ça. Bon. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de, de courbe ou quoi que ce soit ici. Donc c'est le, le même. Euh, tombe tout le long, jusqu'en bas. Et peut-être qu'on a ici aussi un, un autre objet, une autre partie de l'immeuble qui est en bas, qui est un petit peu plus large, donc on peut voir son épaisseur. Donc le côté droit vers la pointe de fuite de droite, le côté gauche vers la pointe de fuite de gauche. <coughs> Et on peut voir notre épaisseur qui s'en va vers notre point de fuite numéro 3. Il n'y a plus de ligne droite, techniquement, dans cette illustration-là, à moins qu'on se rapproche de la ligne d'horizon. Lorsqu'on est au niveau de la ligne d'horizon, si supposons mon cube était à la hauteur de la ligne d'horizon, ben là, ça serait une ligne absolument horizontale. Mais toutes les autres lignes devraient être... Euh, elles ne devraient pas être droites. Pas horizontales, ni verticales. Et elles doivent toutes pointer vers une des points de fuite. Alors, supposons que je fais une fenêtre. Je vais vous donner l'idée, là. Je vais faire deux, fenêtres, deux ouvertures sur notre rectangle. Voici les lignes de points de fuite. C'est plus facile de comprendre lorsqu'on part des points de fuite directement. Donc, voyez-vous, ça, c'est la hauteur de ma fenêtre, la hauteur de la fenêtre gauche, qui s'en va comme ça. Voyez-vous, là Ouais, là, je les retrace. Et après, on devrait être capable de voir le sol de ce cube-là, c'était qu'un trou qui passe à travers. Donc, c'est important de comprendre que les coins. Oups, manque de mine. On va enlever le bouchon. On va remettre la mine. J'adore ces crayons-là parce que, hey, pas besoin de déguiser jamais. Tadam, quelques coups de pouce, puis euh, je suis prêt à dessiner. Bon. Alors, je vais effacer ici euh, le côté ombragé. Imaginons qu'il y a une petite lumière là-dedans qui illumine le tout. Donc, je vais colorier tout ça. Tu toutes les faces gauches devraient être colorées, techniquement. Je peux faire encore y un immeuble qui flotte tout en haut de cette partie-là. Tu peut-être qu'il y a une colonne qui tient tout ça au centre. Peut-être que ça flotte dans les airs. C'est notre, notre illustration. On fait ce qu'on en veut. là. Alors voici mon cube, on peut voir le dessous, parce qu'il est plus haut que mon point de vue. Donc on devrait être capable de voir, voici le sol de ce, de ce cube, on voit un dessous, qui devrait être très sombre, Alors je vais colorier rapidement. Et puis la face gauche, la face droite. Et j'efface mes lignes de perspective. Et voilà, donc on peut voir là, entre chacun de ces cubes. J'ai des cubes flottants comme ça. Puis c'est ça, tu sais, c'est ça, la perspective à trois points. Euh, c'est pas plus difficile, c'est pas évident, certes, mais avec la pratique, vous allez voir que ça vient. Et, et étudiez d'autres dessins, faites des recherches pour dessins en perspective. Puis c'est ça, nos prochains dessins seront avec la perspective un peu. J'espère que cette illustration vous a plu. Je souhaite vous revoir sur un autre épisode de DWP. N'oubliez pas, DWP. Sur YouTube, à bientôt